c'est pas yon goumè, yon grand mounye. Si yon goumè, zone. Ariel Henry, gen Akor Montana. Nous même en dans Solino, nous voulons Akor pas nous là. Qui ça que lié? Pour qui bon jeune garçon, qui a l'école, qui gen papier dans mes yo, diplôme dans mes yo. Yo minimise nous, yo traite nous en parents pauvres. Et c'est ce que nous, en 20e siècle, qu'on compte que, ou gen 1% moun kap travay en dans Solino. Qui ça que lié? Nous pas en quartier qui gen banditis la dan, nous pas qu'on fait 10 ni date, sont nous fait silence depuis 2004. Je dis là, nous juger ça fait nous mal. Le pourquoi? Nous gen EPPLS qui là ensemble avec nous là, nous gen des hommes qui formés qui plus que moun qui dehors. Plus que moun qui en dedans pouvoir qui a dit yo c'est des technocrates, c'est pourtant c'est faux technocrates yoye. Ensuite là que nous jugeons que l'état population, l'état jeune garçon, jeune femme, en dans Solino, à mal vivre, nous jugeons compte, il faut que nous revendiquions, il faut que nous fassions autant de voix nous. Voix nous, c'est voix peuple là. Voix nous, c'est voix toute population qui est en dans Solino. Nous avons 180 000 familles qui vivent en dans Solino. Imaginons, il y a 1% de monde qui a travaillé. Qui travaille? Sécurité, dans la factory et papa d'ap. Je nous juger que nous-mêmes, André Solino, comme jeunes garçons, nous disons que ça a trop pour nous. Nous levons camper jusqu'à un nouvel ordre. Il faut Ariel Henry juger que pour lui venir. André Solino, j'ai que l'icône voyait tout ça, l'icône ligué en dedans, mais en l'autre quartier, tant que Matissa, il voyait des millions de dollars, nous n'avons pas besoin de quoi, c'est pas comme qui est intéressé nous. Nous, on sait là, qui est Mounio qui est 3 ans depuis, Mounio pas jamais touché. Imaginez-vous, mon nom ligue en famille, ligue petite madame. Trois ans, on va toucher. Mais qui ne va pas manger. Ok? C'est une logique ça qui fait que Pep Solino, il ne veut camper, il dit comme ça que, fuck, il fait autant de voiles. C'est pas un mouvement qui gagne ni pied ni tête. Tout le monde l'a net, tous sont des dirigeants. Oui. Ok? Ariel a délégué même en personne, vient dire comme ça que, mais qui ça gagne, mais ça va gagner. C'est ça, nous fixons EPPLS, nous fixons ONA, nous avons un grand monde qui a travaillé dans l'État. Mais pour qui ça? Ou vous avez un ministre des Affaires sociales, ou directrice CAS, qui ça représente? Qui ça fait dans le pays? En rien. Mais je dis, nous dis, peuple noir nous dit oui, nous souffrons trop. Nous devons voir nous haut, nous mettre pied à terre pour nous dire comme ça que Ariel Henry, à tout acolyte, il faut qu'il mette pied là, à quoi Montana était, à quoi Montana, nous devons à quoi sur nous-mêmes. Ok, je dis à nos 21. Yeah.